2021, point de presse spécial. Côté que nous prenons ensemble de points, dont homicide policier au Cap, bilan partiel carnaval 2021, également situation de troubles à l'ordre public pendant 2 jours au niveau Carrefour, et tout, nous allons parler tout de kidnapping. Non? Nous avons commencé pour nous dire à notre triste côté que hier, la police nationale a perdu un policier, qui c'est policier prophète Abdias, 27e promotion, qui était affecté dans Polyfront Wanamet. Côté que il prend balle, et selon le premier élément d'information, c'est pas dans son travail. Pour le moment, comme à l'accoutumée, nous pas voulu à participer. Gagner au niveau investigation au Cap Haïtien qui justement a pris le premier élément d'information. Et concernant tout, policier Swatlan qui était perdu la ville, policier Anozar Patrick, 25e promotion qui était affecté dans Swat, côté que il était perdu la ville lors du mouvement 509, on a dit que lundi que ce passé là, gagner autopsie cadavre qui fait. Et direction générale la police nationale là a planifié funérailles policier Anozar Patrick 25e promotion. Concernant bilan partiel carnaval 2021 au niveau port de paix, gagné 14 interpellations qui faites, dont une pour détention ZAM, c'est Jonel Kenel. Nous recensons tout, plusieurs monde qui blessés. Et gen l'autre monde tout, c'est suite à des malaises au niveau stand, même au niveau parcours là, côté que pratiquement ambulance et santé publique te couvri avec la police événement ça. N'ap di nous te prend pile disposition et j'en n'étais pas allé avant carnaval là, côté que te gagné environ 1500 policiers qui mobilisés pour sécurisation et festivité ça. Heureusement, nous pas enregistré monde qui mouri, heureusement, et direction générale là tout a profité tout antenne la presse qu'il a pour que nous féliciter moun port de paix qui te gen un comportement vraiment exceptionnel côté que toute bagarre était passé dans l'ordre et dans la discipline. C'est certain que il y a des cas au connait carnaval culturellement il s'est frappé et malheureusement nous censé et nous recenser quelques cas de blessures légères. Et concernant au niveau Carrefour, pardon, concernant les troubles à l'ordre public, et comme nous connaissons déjà, et pour la population dans la zone, non, et a demandé libération de policiers qui étaient affectés avec juge Yvickel. Côté que le mémorandum qui a joint le commissariat, côté que vous des policiers pour vous saisir. Parce que l'information d'affaires quoi tout les policiers qui avec mon rivière dans la zone là, pour vous saisir et inspection générale, bon côté parler, les ouvrir enquête administrative au niveau de l'inspection générale, j'en suis dit. Et concernant le cas de kidnapping, nous recensons plusieurs cas de kidnapping. Je ne sais pas chiffre là, exactement, vous m'avez dit combien pour le moment. Mais nous recensons. Et n'a dit encore une fois, la police pas écarté de responsabilité et pas dédouané de responsabilité. Nous conscients problème là et problème là pratiquement la répété et presque chaque jour. Et n'a dit encore une fois, population gagne rôle pas pour jouer et ça fait que nous dit dans cas ça yo qui ouais à kidnapping également insécurité, chaque monde dans la population c'est un policier que lui à savoir si on gars va être passé faut lui même tout lui capable et il fait un pile effort de ça côté que toucher responsable la police part et enlèvement yo. Mais tout nous te dit ça les kidnapper monde nan son côté que à la veille son côté séquestré et côté que séquestré là gen moun k'ap viv la dan nou mande moun yo
pour yo poter coller son tête ensemble pour nous combattre phénomène ça également phénomène qui gagne pour ak insécurité parce que les cas de kidnapping yo enregistrés c'est de moun c'est de famille qui est victime et les gagne conséquences directes sur population et c'est ça qui crée des paniques et nous te ouais tout les gon cas de kidnapping dans zone rapidement nous te ouais gagne barricade bon ensemble de bagaille nous comprenons encore une fois population de comportement ça et n'a pas encouragé les pour veiller avec la police nationale pour ensemble si cas ça fait yo pour moun ou elle que yo prend moun pour la velle on pense que population capable barrer moun dans la route et pour la police même capable faire intervention c'est certain que quand toi vivre là ou nous pas mando pour que pour dire mettre la police pour nous courant mais ou capable faire et discrètement et pour que nous-mêmes nous capables faire travail nous gagnons avec nous là un nouveau porte-parole adjoint de la police nationale qui est habitué avec lui c'est inspecteur divisionnaire Verrier Marie Michel qui déjà prêté service lui au niveau inspection générale côté que direction générale là il y a relé pour venir en backup pour que lui-même soit capable d'assurer tout fonction ça qui c'est porte-parole adjoint de la police nationale. Alors, c'est ensemble de points ça que nous avons dans un point de presse spécial ça. Nous, maintenant, capables de répondre à un, deux, trois questions. Ok, je vous remercie pour nous faire le chemin du club. Monsieur Porte-Parole, pendant la commencement de semaine, nous avons appris que nous avons dit que nous avons pris le contrôle sur le commissariat de la ville. Qu'est-ce qui s'est fait depuis de ça? Est-ce que nous avons contrôlé le commissariat? Tout d'abord, nous pas jamais dit que nous avons éradiqué. Parce que la police, à la vérité, n'est pas présente de tous côtés. Il n'est pas dans chaque passe, dans chaque corridor. Et ça fait nous dire que nous engager population, même la population, comme policiers, et dans la question qui est à l'insécurité, également à la question du kidnapping. Parce que tout à fait, c'est si que nous ne mettons pas ensemble, si pas une synergie entre la police et la population, c'est certain que nous ne pouvons pas arriver à solutionner. Et ce n'est pas la police simplement qui l'a pour solutionner. Parce que. Et j'en nous dis, hein, nous pas dit écarter le problème, nous dit que son question effectif, oui, c'est ça, mais tout, bah, c'est que la population, du tout, bon côté pas les gagnants et ouais, les pour jouer. C'est certain que nous lançons plusieurs appels, côté que nous demandons des collaborations, c'est certain que nous jouons une collaboration au niveau population, hein, mais nous demandons encore plus pour que vous veillez à chaque fois que vous avez réalisé une situation drôle qui a passé, soit bon la caillou, ou bien une machine qui campe pour un monde courir avec lui, je pense que la population est capable d'aider nous dans ça, à savoir faire coucou des machines ça, pour que nous soyons capables d'arriver à faire travail nous au niveau de la police nationale, bien sûr, ensemble avec la population. Concernant les policiers, c'est des policiers, j'aime dire, qui sont affectés dans la sécurité, jugelant, côté que la population au niveau Carrefour, c'est pratiquement fait deux jours après demander libération. Et là, au niveau de la justice, mais au niveau de la police, l'inspection générale, justement, qui est là pour un traitement au niveau administratif. L'autre question? Bon, pour Gravine, effectivement, et nous gagnons et plusieurs bandits et qui étaient pratiquement prêts et commissariat. Et nous étions en contact avec le responsable et la police, ça arrive au niveau technique, n'a pris disposition pour que nous capables de récupérer l'espace là. Et n'a pas noté tout, il y a quelques matériels tout que nous avons perdu au niveau commissariat. Une question? Et nous dit quelques matériels, parce que les plusieurs, et on connaît que à la situation arrivée, il faut que nous allions sous place là pour que nous soyons capables justement de faire et un rapport logistique et concernant l'ensemble du bail qui est là, mais selon le responsable, il y a quelques matériels. Le commissariat, espace-temps, il est vide. Et nous-mêmes, nous prenons disposition pour que nous soyons capables d'aller justement et récupérer. Par exemple, lorsqu'on arrive dans une situation, ça, il y a des situations qui demandent corps à corps. Mais lorsqu'on a considéré les riverains, les gens qui vivent dans une zone, ça, dans l'espace, ça, je pense que la vie est très très importante. Et ça fait parfois, s'il y a des situations pour éviter des dommages au niveau de la population, hein,
et nous obligés parfois tout faire retrait. Mais au niveau de direction générale, disposition à prendre pour que nous soyons capables de prendre le contrôle espace. Est-ce que le commissaire Yassane si oui, combien? Alors, Jean Doulan, je suis parlé avec le responsable. Là. Bon, il est capable, c'est sûr qu'il y a des policiers, mais les policiers ne doivent pas en grand nombre. Parce que si le commissariat est capable de gagner 5 ou 6 policiers ou bien 10 policiers, mais si il y a des groupes armés qui ont centaines, alors c'est certain que il n'y a pas de taille pour qu'il soit capable de faire corps à corps. Mais vous avez renforcé. Comment? Vous avez renforcé. Et renforcement effectif là, et de toute façon, il prévoit tout dans la prise en charge que nous allons prendre au niveau et commissariat, ce commissariat, pour que nous soyons capables de renforcer les deux policiers. Et parce qu'on connaît que la police en demande un peu partout. Et il y a des côtés, il y a des zones, et même rapport à ce qu'on dit ça tout, il y a des côtés où il y a 3-4 policiers. Mais c'est le moment pour nous dire que nous avons une population qui est pacifique, une population qui toujours pour des collaborations avec la police et dans la zone surtout au niveau provincial. Et également, on a sollicité ça, encore une fois, comme il y a l'habitude de faire, mais il peut faire encore plus au niveau de la zone métropolitaine. C'est deux, trois questions. Merci. C'est un plaisir.